veut saborder notre réseau électrique. Vulture et sa mort venue du ciel. Spider-Man qui les provoque en plein cœur de la ville. Et vas-y que ça se bagarre comme des mômes. Des sales mômes surpuissants qui causent la mort et la destruction. On me demande souvent, pourquoi c'est des gens comme eux qui ont des super pouvoirs? Et pourquoi pas quelqu'un comme vous, Jonah? Ah, eh bien j'ai songé à exploiter la science pour m'attribuer des pouvoirs. Uniquement dans le but de mieux vous protéger, bien sûr. Mais après mûre réflexion, j'ai tiré un trait là-dessus. Parce que les pouvoirs vous trompent. Je suis un homme du peuple, et je tiens à rester un habitant ordinaire de New York qui travaille dur. Je ferai ma part avec mon émission, avec mon empire médiatique et avec mon immense fortune personnelle. Pas la peine de me remercier, c'est normal pour un homme du peuple. Ok, MJ, je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage. Mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Excusez-moi, il y a du monde dans le hall. Est-ce que tout va bien? Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements. Le temps que Sable International effectue une inspection. Ça fait longtemps que les gens attendent en bas? Non, seulement une heure ou deux. Nous apprécions grandement l'assistance généreuse de Sable en matière de sécurité. Le dernier étage a été touché? Grand Dieu, non. Avec le nouveau poste de sécurité au bout du hall, le maire est à l'abri de toutes ces nuisances. Pourquoi on a dû évacuer tout un étage? C'est parce que c'est... Ouais, c'est l'ascenseur. Voilà le poste de sécurité. Mais ce garde va me voir si j'entre. Les résidents sont sur les nerfs. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Entrée interdite. J'ai oublié mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Hé hey, laissez-nous remonter! J'ai une urgence médicale, ça peut pas attendre! Oh la vache! Je peux plus respirer! Laissez-moi monter! Je regrette, on n'entre pas dans le poste de sécurité. Ah, plus on reste au rez-de-chaussée, plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Quoi? Il faut qu'il nous laisse remonter, alors! Pourquoi Osborne n'est pas en bas? Il passe toujours à travers les mailles. Le maire et ses amis sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûre. Tout ça, c'est magouille et compagnie. C'est pas vrai. Ça devrait suffire. Ah, bon sang. Jerry, amène-toi. On a un problème. Fichez le camp tout de suite. Poste de sécurité ouvert. On est aussi important qu'Osborne. Je dois arriver à la porte sans me faire repérer. Je vous en prie, gardez votre calme. Sable International a presque fini son... Salut, toi. Je connais des agents de Sable qui adoreraient te rencontrer. Pas dans nos pattes. On prend le relais. Ok.
Je l'aime bien, ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Non ! Je l'aime bien, ce machin. Il faudra qu'il se retourne. Équipe Alpha, restez en alerte. J'ai du mouvement, quittez pas. Voilà. Je suis sûre que Sable et les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de Sable. Mary Jane Watson, super espionne. Il est temps de déverrouiller l'ascenseur. Ça a marché. Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. J'ai plus qu'à monter. Accès au dernier étage. C'est bon. Non ! Comme prévu. Accès au dernier étage. C'est bon. Norman et Sable. Comme prévu. Saleté de bouton, inutile. Les gardes de Norman sont tous partis. S'ils dissimulent quelque chose ici, je vais mettre la main dessus. Alerte. Porte coupe-feu enclenchée. Lancement du diagnostic autonome. Merci de garder votre... Un plan de l'appartement. Derrière le mur au portrait de famille, un énorme vide. Mais qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan ? MJ, ça grouille d'agents de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. J'ai peur qu'il me repère. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. T'approches pas trop. Je devrais m'en sortir pour l'instant. C'est quoi cette chose ? Waouh ! Incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur ? Je me demande ce qu'il y a derrière. Le père et le fils Osborne. Norman fait ses adieux à son fils. Ça doit être quand Harry est parti en Europe l'année dernière. Mais pourquoi un ton aussi dramatique pour un simple voyage ? Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Je dois trouver le code de ce clavier. Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. Visiblement, il y a un gros système électrique derrière la peinture des Osborne. Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse.
bon de travail pour un clavier numérique. Le code choisi est le dernier jour d'Harry. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. Diagnostic autonome terminé. Aucun risque détecté. Porte coupe-feu désenclenchée. Norman peut revenir d'une minute à l'autre. Il faut que je trouve le code de la porte. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. Mais où a-t-il rangé la clé ? Cette pièce a une odeur de gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre ? Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin, voilà. Je le dis pas assez souvent, mais merci papa. Je t'aime. Waouh, j'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement épuisé. Pourvu que le journal soit toujours là, je vais voir dans sa chambre. La vache, on adorait venir ici se faire des films quand on était gamins, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'est la chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman a rangé la clé. J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry, de tout ce bonheur. Enfin, comparée à moi et mon père. Mais tout a changé quand Emily est tombée malade. Le diagnostic d'Emily en phase terminale. Je savais que la mère d'Harry était malade, mais j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister ? La mère d'Harry, Emily. On se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans, mais il avait peut-être raison. La salle de bain de Norman prend plus de place que mon appartement. Ça me rend triste. Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? Oh, trop mignon. Norman conserve tous les badges de ses campagnes. Il y en a un pour la commission scolaire, et il garde de la place. On a de grandes ambitions, Norman. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Oh, mais c'est nous, ça. On était tellement insouciants. La belle époque.
Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. D'ailleurs, ça m'étonnerait que Norman sache se servir d'une poêle. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie familiale qui se focalise sur les pouvoirs de Peter. Et surtout, c'est le prototype de combat de ce plan. Un plan pour le prototype de masque. On dirait que Norman veut réorienter Oscorp vers le domaine de la défense. J'avais oublié ça. La famille Osborne a des armoiries. Et une devise, Pax in Bello, la paix dans la guerre. Il faut que je m'en souvienne, si j'écris. On dirait que Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Je me demande pourquoi. Ah, une piscine, évidemment. New York, c'est le royaume des rats et de la malbouffe. Pas de la bronzette et des cocktails. La mère d'Harry l'a plantée pour sa naissance. Maintenant qu'elle n'est plus là, Norman se charge de l'entretenir, apparemment. Superbe. La ville est en état d'urgence, mais Norman trouve encore du monde pour lui faire sa lessive et son ménage. Un vrai héros.
papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant le... Bingo! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Quoi? C'est pas pour Harry, ça, quand même? Des livres de droit. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade ? Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là ! Le sérum est prêt, et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Peter, le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre ? Je me ferai forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Centrale, quittez pas. J'ai entendu un bruit.
Qui est là? Centrale, quittez pas. J'ai entendu un bruit. RAF, je continue ma patrouille. Attention, je crois qu'on a de la visite. Ok, 18 juillet. Bingo. C'est trop flippant. Il faut que je trouve l'adresse pour le souffle du diable. Il doit bien y avoir quelque chose du type des araignées. Norman essaye de reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi? Et les noms sur les cages, c'est quoi ces machins? Des prototypes de grenades? Norman est dans un gros délire de savant fou. Les dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR-27 a été mis au point pour les soins. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR-27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR-27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux gens. Wow, Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait l'Upper West Side. On peut voir toutes les propriétés. Bâtiments commerciaux. Wow, tous ces Oscorp se positionnent à fond. Non, Norman n'est pas assez dingue. Un bâtiment d'archives, ce serait bien vu pour dissimuler le laboratoire secret. Oscorp se positionne à fond sur la défense. Non, Norman n'est pas assez dingue pour cacher l'anti. Un bâtiment d'archives, ce serait bien vu. Oscorp se positionne à fond sur la défense. On dirait une carte de l'Upper West Side. Non, Norman n'est pas assez dingue pour cacher l'antisérum dans un bâtiment d'archives, ce serait bien vu pour dissimuler le laboratoire secret. Oscorp se positionne à fond sur la défense. Non, Norman n'est pas assez dingue pour un bâtiment d'archives, ce serait bien vu pour dissimuler le laboratoire secret. De la réalité augmentée. Classe.
Oscorp se positionne à fond sur la défense. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. On dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Michaels. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le docteur Michaels. Bravo, bravo, bravo. Et là, ça doit être l'équipe C. C'est trop cool! Comme dans le film de... Cette bonne vieille équipe Alpha. Le laboratoire secret doit être entouré. Je devrais recouper les patrouilles avec les bâtiments Oscorp. Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable. Non, c'est juste une patrouille de sable. Aucune de ces patrouilles ne croise la route du docteur Michaels. Donc, je dois chercher un bâtiment Oscorp lourdement gardé où se rend le docteur Michaels. Non... Le docteur Mike. Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Centrale, en rapport. Rien à signaler. Il faudrait plus de bruitage pour ce truc. Toup, titoup, toup. Super! Ça coïncide avec la route... J'ai pas dû choisir les bonnes catégories. Le docteur Michael s'est entré dans ce bâtiment Oscorp. Mais super! Ça coïncide avec la route... Oh, ça marche pas. Il faut que j'ai... Super! Ça coïncide avec la route du docteur... Non. Le docteur Michael a croisé plein d'effectifs de sable, mais pas devant un bâtiment... Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Je continue. Ça colle pas. Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Oh, ça marche pas. Il faut que... Super! Ça coïncide... Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable. Au suivant. Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Une radio d'enfant. Mais ce n'est ni Harry, ni Emily. Qui alors? Cette aura qui l'entoure, c'est pas Martin Lee? Centrale, en rapport. Rien à signaler. Je continue ma ronde. Cette carte est tellement chouette que Norman remonte dans mon estime. Genre... de 3%. Non. Le docteur Michaels a... Super! Ça coïncide avec la route du docteur Michaels. Cette bonne vieille équipe... Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. GR-27, c'est le nom de code du souffle du diable, Eureka! La 10e est cathédrale. Ce serait pas? Je le savais! 10e est cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret.
GR-27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est ? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant, détends-toi et laisse le médicament faire effet. J'ai Gorichi. Ok. Attends, au secours ! Aidez-nous ! Je croyais que c'était une simple consultation ! Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête ! C'est trop tard ! Arrêtez-moi ! Qu'est-ce que tu as fait ? Oh mon Dieu. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi ? Non ! Qui est là ? On a une intrusion, alerte maximum. Peter, j'ai trouvé l'adresse du labo. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance ? Je suis pas loin, à 2 avenues ! Tu me fais signe et je débarque ! Super, reste dans les starting blocks. J'aurais bien besoin d'un café, moi. Faut que je m'occupe de ceux sur le balcon. Merci, Centrale. Bienvenue. Hey ! Chef, on l'a trouvé. Peter, t'es là ? Je suis à l'angle de l'ex. MJ, ça va ? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. T'es prêt ? Attends, fais pas ça ! C'est trop tard ! Vas-y ! T'es vraiment cinglé ! T'es incroyable ! Tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie... Et Docteur Octavius ? Je sais. Tout est de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Ma
Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves leur med. Merci. Partenaire. Il faut que je trouve cet anti-sérum et que j'arrange les choses. Il doit bien y avoir un moyen de contacter Lee et Otto. Je dois les convaincre de laisser tomber cette histoire de vengeance. Ils ont fait tellement de trucs bien pour l'humanité. Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties juste pour Norman.